Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. C'est un peu mieux, mais le son est quand même bizarre. Bonsoir Guillaume. Êtes-vous encore Bonsoir là? à tous et à toutes. Et bienvenue sur la chaîne Nishiwaki Ayaka pour une vidéo qualitative Ou pas. en ma présence. Et nous allons jouer aujourd'hui à... Ah, c'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Gros, C'est mieux. Le son est la meilleur, c'est légende parfait. des gobos. Voilà, exactement, sur Saturne, un petit jeu d'aventure, façon Spyro, en beaucoup plus rigide, vous allez le voir. Ce petit crocodile taquin d'Australie. Et donc, ouais, le menu option, parce que je sais que Guillaume l'adore, voilà. Absolument. Magnifique modélisation 3D d'un casque audio. On sent qu'ils ont mis tous les polygones de la PlayStation sur un seul modèle et franchement, je trouve que ça rend trop bien. Voilà, ce qui est dommage, c'est que ce soit une Euh, Saturne, mais tout va bien. excusez-moi, excusez-moi, mea culpa sur Vidéo Horizon TV, j'ai fait la même et voilà, vous m'avez compris. Voilà, alors ça c'est main des players, vous m'appelez, mais bon c'est pas grave. Allez c'est parti, main menu, on va du coup commencer. Donc, comme dit en off, puisque le premier enregistrement était un petit peu foireux, j'ai jamais joué à jeu, par contre toi oui, un petit peu apparemment quand t'étais gamin, donc tu auras l'occasion de Voilà. revoir un peu le jeu qui est ma foi fort vieilli, hein. Tu vas voir. Ben déjà à l'époque, je me souviens qu'en comparaison de Crash Bandicoot, Harry Potter, etc., je trouvais ça pas graphiquement très plaisant, quoi. Mais il y avait quand même une patte artistique intéressante. Et la version Saturn est une version encore moins jolie que la version Play 1, enfin légèrement moins jolie, donc ça va Ah pas te oui. changer Ah ouais, grand-chose quoi. forcément. Voilà. Fatalement. Elle aurait pu être plus jolie s'ils avaient utilisé comme d'habitude le second coprocesseur de la Saturn, mais comme aucun jeu en tirait parti, bah c'était la merde. Waouh! Alors on dirige bah Croc, hein, un petit alligator, hein, tout mignon d'ailleurs, hein, ça c'est vraiment ce qu'on peut pas lui reprocher. Et le petit bruit que vous entendez, c'est une petite abeille guêpe qui nous emmerde dès le début. Alors on va se déplacer. Et ces patounes sont quand même impressionnantes, hein. Ah oui, quand même, oui, carrément, il y a des grosses patounes. Alors je peux faire quoi? Je peux sauter, je peux donner des coups de queue, attention à ne pas sortir du contexte comme d'habitude. Je peux sauter. Voilà, avec les bruits tout mignons hein, d'ailleurs. Bon, c'est un jeu pour les enfants, vous l'avez compris, Classique. mais pas un jeu pour les enfants réellement, dans le sens où c'est un jeu ultra chaud en fait. En fait, c'est un jeu pour enfants, mais enfants autistes. Ah non, même pas! Bah si, les enfants autistes sont surdoués. Ouais, mais on parlera pas d'autistes dans cette vidéo, s'il te plaît. Je ne t'aime pas à me faire démonter par les Bon, autistes. on dit qu'ils sont surdoués, ils vont pas nous faire chier. Et alors, j'ai perdu tous mes diamants. Alors le but normalement dans chaque niveau c'est de récupérer des diamants de chaque couleur pour passer à la suite. Si je perds mes diamants c'est comme Sonic avec les rings, c'est-à-dire qu'en gros si je les perds tous j'ai comme si j'avais plus qu'une vie et si je me fais retoucher par un ennemi et eh ben je meurs. Quoi, On peut entendre aussi le bruit des pas de Croc qui sont plutôt bien faits. Je trouve, le sound design, il y a quand même un effort. ouais, alors on va après parler un petit peu du sound design, ça va, c'est plutôt sympa. Par contre, les graphismes, vous allez voir, c'est assez simpliste par rapport à... Pas... Ça ressemble un peu à Spyro, mais c'est pas Spyro, quoi. Il y a pas mal de détails en moins, c'est des zones qui sont assez réduites. Tu vois, là, autour, il n'y a pas beaucoup de Ouais. champs. Comme je disais en off tout à l'heure, on dirait un petit peu un mélange entre Crash Bandicoot, Ape Escape et Harry Potter 1 sur PS1, je dirais, tu vois. Ouais, bien vu le coup d'Harry Potter aussi. Alors attends, c'est parti, on va passer à la suite, enfin, je pense, si tu veux bien Hein. rentrer. Petit thème musical Petite sympa. musique. Alors que je me trompe pas, ouais, parce qu'à chaque fois. Voilà. Donc on va récupérer les diamants qui me servent juste à avoir des vies finalement, pas grand chose de plus. Et attendez-vous Attention à à ne me pas voir. tomber dans la lave. Comme c'est Oh, ben juste être le cas, mince. voilà. Il faut que je fasse attention parce que la plateforme va s'écraser. Alors j'ai C'est récupéré des kawaii quand amis, mais même. c'est pas des vies par contre, hein, je crois pas. C'est des petits amis. Et quand je saute deux fois, je fais un double saut et du coup je peux écraser la caisse. Et du coup on peut passer à la suite. Ouais, c'est des petits couloirs, petits environnements, c'est assez étriqué, mais bon après ça n'empêche pas d'avoir un jeu sympa. Voilà, toutes les couleurs en fait. Quand j'ai toutes les couleurs, je vais pouvoir les utiliser et ouvrir la porte. Mais là, j'ai pas encore tout, donc il va falloir que je récupère
tous les items de couleur. Ah, je suis fleur. Fascinant, hein, n'est-ce pas? Ah, c'est fascinant. Alors oui, quand on dit c'est pour les, ouais, tu dis c'est pour les autistes ou les gamins, mais en attendant, comme je disais, c'est pas un jeu pour les gamins réellement parce que c'est un jeu qui est assez dur. Un peu comme Spyro, si vous voulez finir le jeu entièrement, c'est super chaud. Ah mais c'est peut-être pour ça que j'ai pas tellement kiffé à l'époque alors. Alors normalement, si j'appuie là, je finis le niveau. Si je utilise la queue pour taper le dong. Pareil, à ne pas sortir de son contexte. Toujours, hein, on va la faire un million de fois, je pense, celle-là. Là, tu vois, il essaie de me croquer, il part, et si j'y vais au moment où il est pas là... Comme dans Mario. Oui, exactement. Niveau secret, niveau bonus. Alors, c'est pas niveau bonus, hein, c'est juste niveau secret, mais... Enfin, non, je vais y arriver. C'est pas un niveau bonus ni secret, c'est un niveau tout court. Ah oui, d'accord. Un niveau dans un niveau, quoi. Voilà, donc là je vais aller au but parce que on peut se faire pourrir en 30 secondes. Il est où? Il est là. Aïe. Bien sûr, elle est toujours là, la caméra. Ah oui, alors par contre, voilà, le gros défaut déjà, vous allez le voir. Alors on peut faire des pas sur les côtés, pile façon Tomb Raider. Ce jeu réunit tous les jeux en fait. Hein, ouais, un petit sac façon Tomb Raider aussi, c'est assez marrant. Et voilà, je peux monter, je récupère le... Petit joyau, je ressaute. Et ils ont respawn derrière. Donc ah du ouais. Coup, je me suis fait toucher. Donc vraiment faire 15 rubis. Bonsoir Pacific Sound 3303. Ah oui, le rubis, d'accord, j'ai compris. Voilà. Excellente blague. Donc là on va remonter. Savoure le jus d'orange avec mes fans. Et là on est face, alors je sais pas si j'ai tous, non il m'en manque un. Je crois qu'il m'en manque un. Alors je vais pas rentrer. Alors le petit bruit derrière de la petite... c'est de nous bouffer. Voilà. Et il faut que j'aille récupérer, et ben là-bas. Alors lui par contre, j'arrive pas à le tuer, j'ai jamais compris comment faire. J'ai testé le jeu un petit peu avant quand même, hein, donc c'est pour ça que je découvre pas non plus à mort, mais... Et splash! Mais quel est ce drôle d'animal? Ah, ça a marché. Oh, bien vu. Parfait. Alors du coup, là, je pense pas que je puisse y aller. Enfin, je vais quand même... j'hésite un peu. J'avoue, j'hésite un peu. J'ai plutôt tapé le dong. Et en plus, il a réapparu. Exactement. Alors les enfants, fermez les yeux. Boing. Tu vas dans un temple japonais et puis tu tapes le dong avec ta queue. Pas bien. Alors du coup, on a voilà, on a fini le niveau, mais pour le nous niveau après. Ce n'est pas un programme pour les enfants. Bon, on va mettre moins de 18 en dessous. Restart button. Et du coup, on va peut-être découvrir le. Ah, maintenant on est underground, overground, donc niveau 1-2. On va faire start level. Alors, je vais voir les options. S'il n'y a pas d'autres trucs à faire en mode solo. C'est moi où le menu il est tellement entrelacé que la police d'écriture elle est toute... Non, c'est fait exprès. Ah d'accord. C'est fait exprès, moi aussi je me suis posé la question. Mais c'est en un fait, style visuel, d'accord. Que bon. Je trouve potentiellement dégueulasse d'ailleurs, mais bon c'est... Voilà. Non mais je pense que c'est inspiré des réflexions de l'eau de Panzer Dragoon. Oui c'est vrai. Ah comme quoi... Ah, alors... L'imitation technique de la Saturne. Donc là on est dans un niveau différent, enfin pour l'instant on est dans le même monde on va dire, mais dans un niveau qui reste différent. Alors j'espère qu'il y a des choses à découvrir un peu plus, hein, que ça restera pas aussi simpliste qu'un jeu de plateforme comme ça, parce que sinon ça restera un peu trop succinct quand même. Peut-être qu'on va débloquer des armes, des Uzi, des FAMAS, je ne sais pas, même si j'en doute un peu. Là, il faudra que je teste la fin, que je montre la bêta de Spyro 1 un jour. On sent quand même un petit peu qu'ils ont voulu faire un genre de Crash Bandicoot, quoi. Ah, c'était toujours l'époque des mascottes, hein, les jeux à lit, les jeux avec un ouais, petit mascotte vrai, sympa. Ouais, c'est plus ça en fait. Alors, je suis content de faire ça. Si je fais ça, je peux remonter, je crois. Donc, on va juste utiliser sa main pour casser. Et le problème, c'est que Croc en fait n'est la mascotte d'aucune console finalement. Bah non, parce qu'il est sorti sur PlayStation, Saturn et
Peut-être pour ça qu'il a pas tant marqué les esprits que ça, ce jeu. Alors, il y a un Crow 2, hein. Il s'est bien vendu, ce jeu, mine de rien, on dirait pas. Ah mais, ouais, ouais, il s'est plutôt bien vendu. Hein. À l'époque, ah, j'avais un pote qui était ultra fan, qui m'en parle souvent quand on parle de jeu, mais c'est le seul que je connais qui m'en ait jamais parlé, quoi. D'accord. C'est des petits pirates, on dirait. Alors, il y a un temps de latence quand je fais mon tourbillon, là, on va dire ça, comme ça on passera un petit peu le cap de la blague. C'est que il fait une fois, il y a un temps d'arrêt, et après on peut refaire une deuxième fois, et si tu le fais trop tôt, bah en gros, bah tu te fais pourrir par l'IA, quoi. Genre là, il va arriver derrière, heureusement que je l'ai écrasé. Ah, bien vu. Donc là, je vais casser celle-là, mais pas la première. Alors, attends. Voilà, on va récupérer les petits oignons. Et regardez la caméra, comme elle est juste ultra relou. Alors regardez, je peux me tourner aussi. Et si, ah oui, si j'appuie sur C, je peux bouger la caméra en fait. Hein. J'ai un petit peu des bêtises, mais je peux un petit peu la manœuvrer. Et du coup, on va monter. Je vois qu'il y a des ballons au fond d'ailleurs. Oh mon dieu. Je crois qu'il me rappelle un peu Gex de Gecko aussi. Ouais, exactement. D'ailleurs, c'est un jeu, faut vraiment qu'on fasse un jeu. Il y avait Gex en version normale et version 3D après. Voilà, moi c'est la version 3D que j'avais eu sur PC d'ailleurs. Un de mes premiers jeux PC, un de mes tout premiers jeux PC. Gex de Gecko, la démo d'ailleurs, hein. C'était même pas le jeu complet. Ah, c'était même pas le. Oui, d'accord. Non, c'était juste la démo. J'avais eu dans un magazine. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la Saturn a eu Croc comme la Play. La PlayStation 1 a eu la Croc 2, mais la Saturn l'a pas eu. La Saturn n'a pas eu Resident Evil 2. La Saturn n'a pas eu. Qu'est-ce que tu m'as dit comme jeu juste avant, Jex, ils ont pas eu la version 3D, ils ont eu la version la première. En fait, ils ont eu toutes les premières versions comme la PlayStation. Ah, ça devait être la tristesse d'être un possesseur de Saturn à l'époque. Hein. Un petit peu. Heureusement que j'ai eu le bol d'avoir eu les deux, mais c'était que la Saturn. Ouais. Bon, après, il y a d'autres jeux, mais il fallait plutôt parler. Lorsqu'il y a au-dessus, parler japonais pour avoir vraiment une bonne ludothèque. Après, j'ai des très bons souvenirs sur Sega Saturn, notamment le jeu Shell Shock, c'est un jeu de char, le jeu Titan, je ne sais plus quoi, un jeu qui commençait par Titan, un jeu de vaisseau spatial. Il y avait quoi d'autre? J'avais quelques jeux quand même qui étaient pas dégueu. Panzer Dragoon, évidemment, ça ouais. C'est ma mère qui jouait. Ma mère jouait à Panzer Dragoon. Ah oui, mais ma mère jouait à la Sega Saturn, c'est elle qui m'a mis au jeu vidéo d'ailleurs. Okay. Si je suis autant dans le jeu vidéo, c'est grâce à ma mère à la base. Ce qui est pas forcément courant par rapport à l'époque, hein, je précise. Il y a beaucoup de filles qui jouaient, enfin beaucoup. Il y avait des filles qui jouaient aux jeux vidéo, hein, mais quand même beaucoup moins que maintenant. Eh ouais. Alors on a récupéré ça, le dong, on le dira plus tard. On va essayer de voir si on peut rentrer là, mais je crois pas. Hein. Ah oui, il fallait vraiment plus de joyaux hein, pour pouvoir passer. On va passer les niveaux, comme ça au moins on voit un petit peu si ça change. Alors, faut vraiment être dessus. Ta queue n'est pas assez longue, Kim. Exactement. Merci pour cette intervention. Je t'en prie, je suis là. De toute façon, toutes mes vidéos sont tracées pour non adaptées pour les enfants, donc c'est bon. Toutes celles avec moi, en tout cas. Ouais, non, mais même. En fait, j'ai remarqué que si tu coches le bouton adapté pour les enfants, tu n'as plus de commentaires. Ah, il y a des boutons. Il y a des moutons. Et apparemment le niveau s'appelle Lava Lava. Donc du coup, j'espère que ça sera un petit peu différent. Faut appuyer sur les moutons de la télécommande. Ah bah non. Dans le petit même niveau. Sur les moutons de la télécommande. Excusez-moi. C'est j'arrête scandaleux. De fumer en ce moment. Je suis légèrement à vif. Accro. Voilà. C'est... Il dit des conneries quand il fume, mais quand il fume pas, c'est pareil, quoi. C'est pire. Et c'est promis à me dire, ouais, je me trouve un peu différente d'habitude, beaucoup plus claire. Ah non. Mais accule pas. Désolé. Ah mon dieu. Alors là, j'imagine. Ils sont trop mignons ces petits trucs là. Mais même Croc, il est trop mignon. Alors j'imagine qu'il y a un timer, c'est-à-dire que ça va disparaître derrière moi. Non, ça serait un peu bête. Parce que si ça faisait ça, je pourrais pas revenir. La Dark Soulisation, quoi. Ouais. Oh. Y'a des ça, c'est genre le truc enfant. J'ai passé 2 heures là-dessus à pas comprendre. Ah oui, non, quand même pas. Ah, j'imagine que là, je dois choisir le bon.
Je suis trop fort à ça. Ok, c'est celui du milieu. Droite. Moi j'ai droite, mec. Tu dis droite ? Moi j'ai droite, moi. Moi j'ai celui du milieu. Bon, on va, si on va tester ton aptitude en non-fumeur. Allez, allez. Bravo. Allez. Alors, bravo. C'est qui le boss ? Alors les mecs, voilà pourquoi il faut arrêter de fumer. Un esprit de déduction peu commun. Non, ça là est pas de moi. Je précise que je ne fume pas non plus, hein, mais voilà. Donc, en tout cas, ça a marché. Bravo. Non, je sais vraiment que c'est celui pas, du milieu. Il se pique. Il se pique, voilà. N'hésitez pas à consommer un max de drogue. Non, je rigole. Je sais plus qui c'est qui disait ça d'ailleurs. Antoine Daniel. Antoine Daniel. 12 euros le gramme de cocaïne. Bon. On va pas faire l'apologie de la drogue non plus, sinon alors, je suis vraiment mort. N'hésitez pas à en prendre un maximum. Alors, je plaisante. On va se calmer, voilà, on va être très. Très l'humour. Voilà, très l'humour, exactement. Ah, par contre, je remarque qu'il y a un petit ballon là. Yuspla ! Oh ! Pourquoi t'as lâché ? T'as lâché exprès ou. Je crois que ça l'a fait un peu exprès de lâcher, donc on va. C'est quoi ces créatures cheloues quoi? Oui, c'est le ripop à chaque fois. C'est le virus du sida! Le ripop à chaque fois. On va sauter. Et merde. Alors attention. Cette boîte, faut pas genre la pousser. Y'a une flèche dessus. Ouais, mais une flèche dans les trois directions. Ah. Au secours! Ah, j'avoue, y'a des flèches partout, c'est bizarre. Mais c'est par où? Je comprends pas! Alors j'ai dit tout à l'heure qu'on pouvait changer la vue. Ah, y'a une clé. Ok, en plus je vais me faire toucher. Heureusement que j'ai ressauté derrière. T'as peut-être raison, hein, peut-être qu'il faut la déplacer. Mais est-ce que je peux déplacer? Bravo. Ah bah voilà, bah tu vois, les 145 de QI. Non mais en fait il faut faire d'abord droite, puis après il faut faire à gauche pour la passer juste en dessous. Ouais, je fais gaffe parce qu'il y a la... Il y a le petit rat là, d'opéra là qui va m'ennuyer. J'imagine bien la réunion des développeurs pour ce niveau en mode les mecs, les jeunes ils ont le droit de jouer qu'une heure le mercredi après-midi, si on les faisait chiquer le maximum pour qu'ils restent bloqués dans cet endroit. Ça agrandirait la durée de vie. Alors. Alors du. La musique fait très Noël aussi hein. Ouais. On sait pas pourquoi, c'est dans un espèce de donjon. Ok, donc là il faut que je replace mon. Oh non, peut-être pas. Attends. Non, si, je pense qu'il faut que je le ramène au milieu. Alors ce qui est bien, c'est qu'il vient pas me chercher les ennemis, hein. Je suis plus avancé. Ah, ils ne peuvent évoluer que dans la zone verte. Exactement. C'est ça l'évolution de l'humanité. Alors attends, du coup, les pas de chasser, ça sert à rien. Par contre, j'aurais bien voulu voilà, changer la caméra. La caméra est quand même bien horrible, hein. Ça par contre, c'est vraiment un gros défaut. Ah oui. Par contre, comment j'ai fait tout à l'heure pour aller là-bas? Pour monter? Ah, il faut que je déplace encore le truc ici. Okay. Pourquoi tu prends pas la porte sinon? Bah, j'aimerais remonter et avoir après la porte en dernier. Ah. Allez, on va pousser un peu. Et oui. Alors, quelques petits bugs audio, hein, vous aurez compris, ça craquelle un peu. En 2020, on a toujours pas réussi à émuler la Saturne à 100%. Ah ouais, non mais c'est fou. Hein. Vraiment, c'est un truc de malade. Alors qu'on émule de la PS3 quasiment bien, quoi. Bah oui, c'est ça, et du coup... Ah. Et j'avais lu un article comme quoi la Saturne, en fait, venait juste d'être craquée l'année dernière, là. Craqué, ouais. Le source code venait juste d'être récupéré, quoi. Bien. Eh ben, allez. Tu peux le faire. Ouais, c'est bon. En fait, la plateforme, elle monte, elle descend, et du coup, on la voit pas tout le temps. Bon, c'est vrai que tout à l'heure, je me suis fait avoir. On va casser ça. Du coup, je vais pouvoir passer par la porte, parce que j'ai récupéré la clé. Allez, on va passer là. Ah. Je pensais qu'il y aurait passe-partout pour m'accueillir, mais pas du tout. Qu'est-ce que du coup... c'est que cette pâte à fixe. Mais c'est infini.
C'est fini, ça ne ça. Oula! Attention, elle en brique! Non! Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je vais te récupérer. Ah oui, tu veux récupérer le petit choubidou là. Mais splash. Oh là, j'ai du mal hein. Oh la caméra. Caméra 2, caméra 3, là exactement, c'est loin de le dire quoi. Parce que, putain. La caméra. Il me touche pas hein. Ah, genre, je vais aller dedans, on va voir ce qui se passe. Ah ben. Je suis désolé hein, je voulais pas te faire mal, mais apparemment. Bruit de cartoon. Du coup, je peux tout péter là. Bah ouais, du coup. Ouais. Kazoom. Bon, ça me sert juste à récupérer des pièces. Et du coup, bah en fait, c'est. On va. Des patounes, Kim. C'est quoi? Des patounes, Kim, c'est des patounes. Comment ça, des patounes? C'est un jeu à patounes. Un jeu à patounes, oui, il faut récupérer les. Je vais y arriver. Un jeu à patounes. Encore un jeu à patounes. Alors. Ah là là, Noël, ma période préférée de l'année en septembre. Mais ça pourrait presque mettre une musique de Night into Dreams aussi sur Saturn. Ah ça je peux pas dire, j'ai jamais joué à ce jeu. Ah. Je ne connais point. Je vous conseille la vidéo du Hooper d'ailleurs là-dessus, je pense que, comme je vous dis, hein, c'est une chaîne où je parle pas forcément de ce genre de type de jeu. Donc vraiment la vidéo du Hooper, Night into Dreams, je la conseille. Night, le seul truc que j'en ai entendu parler, c'est que c'est un jeu qui se finit en une heure. Ouais, c'est pas très long, effectivement. Et voilà, regarde, comment on s'est fait avoir... Et je retombe à zéro, hein. Tu t'imagines le... Dure vie. Voilà, exactement. Que la vie d'un crocodile cartoonesque qui porte un sac à dos. Est-ce que je suis passé par le bon côté? Ouais. Donc j'ai la clé, normalement. Sauve-moi, Croc! Non. Je suis prisonnier! Non. On va y arriver, hein. Ah non, parce qu'il faut que je débloque encore quelque chose. J'ai vraiment du mal avec les touches. Hein. Impressionnant. Qu'est-ce que je suis censé avoir débloqué là? La véritable question, c'est qui a construit ce bouton et qui l'a placé là? Exactement. Il a dû passer pas mal de temps d'ailleurs, du coup. Bruno, ouvrier en BTP. Attends, je comprends pas là. On est passé par là. Ok, j'ai tout eu. Ça c'est tout fait en haut. Alors du coup, il y a quoi à faire là? Est-ce qu'on va réussir à être bloqué dans un jeu pour les enfants? Sûrement. Ah, mais je crois savoir en fait. Attends. En face, il y a quelque chose. Tu peux regarder en l'air? Ben voilà. Ah, la plateforme! La plateforme. Ouais, je l'ai vu. Une plateforme qui monte et qui descend. Allez, on va en sauter. Hop. On se place. Voilà. Oh! Ah ouais, mais. Ah ouais, mais bon, là. C'est pire qu'un créneau le. Là, c'était le fail quoi. Mais si, j'ai pris de l'élan parce que c'était quand même. Ouais, il y a vraiment une gestion du saut, hein. Quand tu restes appuyé longtemps, ça va vraiment plus loin, pas loin, enfin ça c'est assez compliqué à gérer au début. Après là, même si j'ai pas eu toutes mes vies, j'ai encore d'autres vies derrière. Je crois que j'en ai 5 ou 6. Donc ça va, on n'a pas eu game over non plus. Oh, j'aime bien. C'est calme, ça fait plaisir. T'as les grillons. De ouf. Et là c'est reparti. On va essayer d'aller là, je crois que je dois toutes les avoir, non? Ah, il manque encore une, c'est incroyable. Il manque la rouge. Ouais, la rouge, je pense que... Oh, il y a une clé derrière. Regardez les malicieux. Le petit chou, là, en bas. Et ouais, mais ça, par contre, tu vois, c'était bien joué, parce que j'aurais pas regardé, je la voyais pas. Eh ouais. Ah, on peut voir la délimitation du niveau. Regarde au-dessus pour voir un petit peu. Ouais. Ah ouais, voilà. Ah, du coup, t'as vu, pour l'ouvrir, c'était facile. Juste aller dessus, c'était terminé. Ouais. Merci de m'avoir délivré, Croc. Ah, faut que je te... Mets-moi dans ta poche. Dans ton sac à dos. Bon, est-ce que... Il y a 5 petits trucs comme ça dans le sac. C'est ça. Mais pas, il doit être un petit peu de maltraitance animale quand même. Hein. Je dis ça, je dis rien. Brigitte Bardot doit se retourner Ah non, mais elle a toujours envie, non? Dans son lit, j'ai dit. Ouais, c'est pour ça. Alors...
Enfin, je crois pas ce qu'il en reste de Brigitte Bardot. Je crois pas avoir récupéré un joyau. Ouais, ça marchera pas. Ok, bon, tant pis pour ce niveau. On va aller à la suite. On va faire un petit dernier niveau et puis on cessera là-dessus. Ça roule. C'est quoi cet oiseau là? Ah oui, mais il était. Mais attends, j'ai même pas capté ce truc tout à l'heure. C'est l'oiseau qui est mentionné sur la. Sur le dong en fait. C'est le même. Ah oui, oui, oui. C'est l'oiseau de fin de niveau. Prestart. Alors j'espère qu'on va découvrir un nouveau monde par contre, ça serait bien. Félicitations, ah. t'as libéré tous les petits choux là. T'es sûr, il y a vraiment tous les choux là? Parce que normalement. Il y avait 0 à gauche et 10 dans le sac, donc je pense que c'est bon. Ouais, c'est possible. Ah, petite cinématique, avec le son un petit peu dégueulasse. Incroyable. Mais il est génial ce truc là, c'est même pas un méchant. Il donne la vie aux animaux, qu'est-ce que tu. C'est quoi, je vais arrêter tout de suite parce que ce jeu me fait trop peur en fait. Ouais, pire que Resident Evil. Ah, exactement. Voilà, je ne supporte pas de voir des. Alors normalement, ouais. Ah oui, là ça dirige vers là où tu veux en fait, c'est un skateboard quoi. Légèrement, ouais, c'est ça. Donc si je veux aller là, j'y vais. Oh, il y a un cœur! Mais bon, ça sent le truc où on se fait avoir. Donc, ah, par contre, c'est bien, c'est que la plateforme s'arrête du coup. Je récupère ça, mais ça sera inutile puisque de toute façon, je vais me louper sûrement à long terme. Ok, donc c'est facile en fait, faut juste diriger droite gauche et il va dans la direction. Ok. C'est pas très compliqué en soi, mais bon, me connaissant, en mode boulet. On va aller jusqu'au cœur. Par contre, là il faut que j'aille vite. Voilà, là il appuie, il bloque. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Félicitations! J'ai pris un cœur pour c'était le repère sûr, juste putain. Après quoi. C'était sûr. Bah pourtant, je suis revenu en arrière en sautant, ça n'a pas marché. T'aurais dû faire demi-tour. Non, ça sert à rien de passer par là de toute façon, puisqu'on a déjà. Oui. On sait que ça sert à que dalle. Allez! On va aller par la porte, on va prendre la porte. Pour le moment, on est d'accord, ça reste un petit peu redondant. Légèrement. Mais bon, c'est pas pire que Bubsy 3D, hein. Ouais, on va pas ouais, se mentir. Ouais, non, par contre là. On... Et comme je disais dans Bubsy 3D la dernière fois, il était pas. Enfin. C'est pas un jeu très bon jeu, hein, mais franchement, le maniement, je l'ai pas trouvé si horrible que ça. Mais oui, puis c'est des jeux, c'est toujours à replacer dans son contexte. Ça, c'est le genre de jeu qui était destiné un peu plus aux gosses, moi, je pense. Et puis quand t'étais gosse, bah ça t'allait, quoi, t'étais content. Surtout qu'à l'époque de la PlayStation 1 et de la Sega Saturn, c'était dans les standards de qualité à peu près, quoi. Hein, ça allait, hein. Ce jeu-là, ouais, par contre, Bubsy 3D, non. En graphisme, je crois. Bubsy 3D, c'est... C'est une œuvre d'art contemporain, si tu veux. C'est le truc qui a sa place à la FIAC, en fait. Ouh, est-ce qu'on va se taper un boss? Ah mais d'accord, ok, ouais. Ça a joué. Oh, okay, attendez. C'était pas une cinématique. Quelle immersion. Voilà, t'es mort. Ah, on le viole, quoi. En fait, je le traverse. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, il est fatigué. Ok. Non, s'il te plaît. Oh non, pas dans le coin. Non, on a dit pas maintenant. La cuisine. La violence conjugale. Alors en fait, il me suit, puis il va s'épuiser à un moment, et je pense qu'il faut le taper après. C'est la strat Mohamed Ali. Ah oui, on avance. Alors j'ai plus de vie, c'est hein. C'est vraiment pas violent, quoi. J'ai plus de vie, du coup... On dirait que le décor avance, regarde, j'ai l'impression qu'il est sur une plateforme... Ah, c'est trop bizarre. Ça ah, fait c'est un... vrai, c'est bizarre. Ça fait un effet, truc roulant là pour courir, enfin ouais. Ça, ce truc, cette gueule de psychopathe qu'il a. Oh non, il est plutôt presque, ça ferait presque flipper, tu vois. Il est plutôt moi mignon. Ça me fait plus flipper que les trucs dans Resident Evil en vrai. Je vois ça en vrai, ça me fait flipper, hein, je te jure. Même un mec déguisé en ça, ça me fait flipper quoi. Je me dis attends, mais c'est quoi qui est caché de dessous, tu vois, genre ça peut être le pire truc quoi. Ça peut être le pire mec. Écoute la musique. Ah ouais, pas mal. Ça fait très musique bien, de hein. Cauchemar en fait. Je le prends bien. C'est bon? T'es mort? Ouais? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que je me suis premier boss de croc? Incroyable!
Oh, Impressionnant. c'est un petit câlin trop mignon. Tout en 3D quand même, Ah, je c'est un précise. canard. Ils sont pas amusés à faire des personnages en fausse 3D, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire en sprite Ouais, 2D, mais sprite, voilà, qui fait 360 degrés. En mode 3D Silicon Graphics, ouais, je vois. Donc du coup, bah, on a réussi à passer le premier boss. Incroyable! Est-ce que... Félicitations quand même, On va Queen. juste lancer le niveau, voir si ça change un peu, mais après on s'arrêtera là, de toute façon, on ira jusqu'au bout. Déjà Oh, je 30 pense minutes, qu'on va c'est... pas être très dépaysé, Non. Ah, bah voilà, évidemment. Alors on a un nouveau monstre apparemment, qui m'a l'air... Ok, qui m'a l'air ultra hardcore. J'arrête le jeu tout de suite, c'est trop dur. Voilà. Bon bah écoutez, on va Du s'arrêter là du coup. coup, c'était Croc sur... bon, sur Saturn. Qui est sur Play 1. La version Play 1 est un poil meilleur au niveau des graphismes, etc. Vous le savez déjà. Merci Guillaume, comme d'habitude. Eh bien, ça fait plaisir. À la prochaine, j'espère. Dans une prochaine vidéo qualitative. Qualitative. Allez, bonne Absolument. soirée à tous, bonne journée à tous. Ciao tout le monde. Des bisous.